Bonjour, monsieur Bovard. Merci, merci d'être fidèle au rendez-vous. Bonjour mon bigorneau. Un rendez-vous que vous donnez des gens comme il est mignon, tous ensemble, avec sa belle cravate, mais qui mérite d'être présenté séparément. D'abord, comme il est joli, coucou. La jeune maman des grosses têtes, Joséphine Chaplin. Non, elle est mignonne, mais moi une autre fifi, cacaproute. Eh ben voilà. Eh oui. Ça aurait été dommage quand même hein, qu'on ne le revoie pas, parce qu'il a des choses intéressantes à dire. Oui. Comme il est mignon. C'est donc Olivier de Kersauzon. Cacaproute. Et puis deux authentiques intellectuels qui disent rarement cacaproute. Des hommes d'une grande culture, d'un extrême raffinement, délicat, beau, propre sur eux, l'esprit rangé comme une bibliothèque. Ils font honneur à tout ce que la France a conservé d'intelligent, de scientifique et de culturel. Deux hommes dont le regard profond penché sur les racines définitives du culturel de notre pays apportent chacun par leur originalité première les données essentielles de ce monde culturel dont nous suçons en secret intellectuellement les mamelles généreuses qui nous permettent chaque jour de lire avec plus d'avidité. Écoutez pas. François, notre journal préféré que dirige le délicieux Fifi Boubou. On le prend comme attaché de presse. Oui. Vous n'avez pas vu le visage, c'est ça qui est important. Il renvoie admirablement l'ascenseur. Alors, pour ceux qui n'auraient pas dans ce portrait saisissant reconnu mes deux derniers invités, qu'ils sachent qu'il s'agit d'abord d'un garçon qui a été à l'origine du rire à Montmartre, après Bruant, tout de suite après. Oui. André Gaillard. Oui. On parle. Oui. Oui. Je me tasse. Et d'un autre qui a été à l'origine du syndicat du... Non, du déclin des syndicats en France, c'est vrai, puisque... J'ai été un précurseur, là. Ah là, vous avez été Oui, après, ils sont tous effondrés. Ah oui. Je veux dire que les cotisations ont disparu avant les adhérents. C'est Daniel Secaldi. La première question, c'est Madame Van Bouclard qui la pose, qui a dit... que l'académie devait donc être amusante avant l'invention funeste de la pénicilline. Il y avait 4 ou 5 élections dans l'année, ça faisait du va-et-vient. C'est du tour, non ? C'est Jean du tour. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est vrai, au moins il y avait une rotation dans les fauteuils. Oh, il y en a quand même encore une. C'est très long. Souvent, ils élisent des agonisants en se disant, celui-là, il passera à l'arme à gauche dans les 6 mois, et puis ça les requinque. Dix ans après, ils sont encore dans leur fauteuil. Mais ils ne sont jamais 40. Ils ne sont jamais 40. Si. Ah non, en ce moment, ils ne sont pas 40. Très souvent 40. Oh, ben écoute, ça va être... Maintenant, ils prennent n'importe quoi aussi, comme académicien. Exemple ? Ah non, je n'ai pas de nom. Ah, mais dis-nous. Non, ils ne prennent pas des vrais écrivains. Non, le tort de l'académie, c'est qu'elle n'a plus de marins dans son sein. Avant, il y avait l'amiral Lacaze. Ouais. Et puis, moi, j'irais bien, moi, à l'académie. Bah, rien que pour faire marrer. Ils sont bien, tes livres. Pour faire marrer mon équipage, et ils me verraient avec la bivère. 1300 francs par mois. Ah ouais, mais j'irais tapiner avec mon costume d'académicien. Tu fais des extras. Des présentations dans les supermarchés. Exactement. Avec ton épée, ça serait bien tout. Moi, je me verrais bien que ce costume-là, je mettrais une éolienne au bout de chaque pointe du chapeau. Ça me ferait du courant pour m'allumer les revers quand je tape du talon. Je serais le premier académicien rocker. Mon épée est frais matraque, lanceur de gaz, tu vois. Mais dites, il n'y a plus ni marin, ni militaire. Il n'y a plus que des mecs de terre. Il y a encore le révérend Père Carré. Maintenant, il y a des croutons qui ont traîné derrière la télé. Il manque Zitrone. Et encore, Zitrone mériterait parce que quand on le voit, on peut se moquer de lui. Non, c'est normal. Bon, un être humain qui voit Zitrone, il se marre d'abord. Bon, mais... Après, s'il réfléchit, il se barre encore plus fort. Parce qu'il se voit déjà en train de le visiter avec un chariot à bœuf, tu vois. Il fait le tour de la taille. Mais un mec qui, tu vois, il arrête de se moquer de Zitrone, il penserait quand même... Zitrone, il a quand même
était un des précurseurs de cette nouvelle écriture qu'est la télévision. Mais après, quand tout le monde s'est emparé de son stylo, ben, je trouve que c'est des gens dont le talent est que de bavarder. C'est pas cette espèce de talent qu'est l'écriture, espèce de talent où l'être se concentre à la lueur vacillante de la chandelle avec le froid de la page blanche. C'est une obligation. En plus, la parole s'envole. Le magnétophone ne dure pas bien longtemps. Parce que l'écrit, Philippe, l'écrit, ce qui est marqué sur le papier, bientôt gravé sur le marbre. Non, ça veut dire. Mais Zitron, il a posé sa. Enfin, il voulait poser sa candidature. Ouais, mais puis, comme il aurait fallu deux fauteuils, il a pensé que c'était pas possible. Mais Zitron, moi, je comprends que Zitron, sur l'Académie française, qu'il a été l'inventeur, pour les Français tout au moins, d'une nouvelle forme d'écriture, qui est l'écriture télévisuelle. Mais pas les gens qui sont venus après, en aucun cas. Il va y penser encore plus maintenant. Oui, mais t'es en train de lui. Oh, moi, j'adorerais le voir. Attends, rien que le marchand de tissu qui fournit la bille. Tu vois un mec avec une Rolls Sigondaise débrillant partout. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vendu l'affaire Zitron, monsieur. C'est moi qui ai fait la costume. C'est bizarre, à l'abri du besoin. Le mec qui a fait le chapeau en même temps, il peut faire parking. Si... Pour peu que Zitron, sans doute pas, il fait un parking. Il fait un magasin de frites, il fait un McDonald's. Arrête. Et puis, à la limite, même, il peut garder un couloir pour la RATP. Non, peinard, belle affaire. Eh bien, Léon va bien, je vous remercie. Dernièrement, et toujours très en forme. Oh là là. La deuxième citation. Oui, transformée en spéléo. Vient de Mantes-la-Jolie. Elle est signée par Madame Anse Moévi, qui a dit: les intellectuels sont plutôt le déchet de la société. Le déchet au sens strict, c'est-à-dire ce qui ne sert à rien, à moins qu'on ne le récupère. Ça, c'est pas faux. Hein. C'est un Français, ça. Un Français. Vivant. Mort. Ah, oh, dommage. Il n'y a pas très longtemps. Jacques un Martin. Un esprit distingué. Un esprit distingué. Écrivain. Éminent. Écrivain. Professeur. Ouais. Professeur. Professeur à la Sorbonne. Au Collège de France, non. J'ai l'impression que c'était plutôt... C'est Barthes, non. C'est Roland Barthes. Ah oui, formidable. Bonne réponse. Ah ouais. De Daniel Sécalbi. Ça, c'est. Oh là là. Déjà pas mal. C'est ce qu'on a écrit de plus dur sur le. Ah oui, c'est tout. C'est ce qu'on a écrit de plus vrai. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, parlez-nous un peu de vos croisières, amiral. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est bien amusé. Bien? Ouais. Tour de l'Europe, là, c'est bien marré. Tour d'Europe. Et tout seul? Non, l'équipage. Combien vous êtes sur un bateau, là? 9 garçons. Oui. 9, mais au départ, mais à l'arrivée, combien vous étiez? 9, toujours. Toujours 9. Si vous en perdez un, vous êtes disqualifié. C'est pas vrai. Ah ouais. Y a plus de morale. On peut plus en foutre à la mer, alors. Non, même, t'as un mort, on te disqualifie. Mais même si t'embêtes, tu peux pas t'en débarrasser. Oh non, il t'embête pas. Ah, pour ça. Quand ils te connaissent. Vous avez, pourquoi vous étiez en ouvre un nombre un peu? Oui, il y en a un qui s'embête, qui là. Le 9e. Ben, c'est moi le 9e. Ah, bon. T'avais le droit de cuissage sur l'ensemble. Je cuisse pas les mecs, moi. Amène ta gondasse, t'auras une surprise. Non, ça veut dire quoi? T'es un bateau à voile, pas à vapeur. Je croûte pas dans la marche arrière, moi. Et les autres, non. Remarquez, plus. J'ai rien contre, hein. Parce que c'est autant de gonzesses qui nous laissent. Je voudrais pas vous fâcher avec Bouvard. On me. Il paraît que. Hey, la tradition marine, hein. Ouais, bah c'est. La cuisinier chinois. Marine, non, c'est pas une tradition marine tellement. Les marins, les légionnaires, on dit. Ah oui. Ah oui. Ben, si, je vois passer devant le café de Flore, il n'y a pas beaucoup de marins, mais il y a beaucoup de pédales. Hein. c'est un peu une légende. Hein. Non, mais souvent, il n'y a pas de femmes. Mais c'est des courses comme l'Europe, ça dure pas longtemps quand même. Hein. Vous en êtes privé 30 heures, donc on peut tenir. Hein. Moi, je suis bien que pour des hommes comme vous, si vous passez plus d'une demi-heure sans rapport sexuel, c'est la déprime. Mais nous, en se concentrant sur un sport qui est assez athlétique, quand même, on arrive à tenir 5-6 heures. Moi, j'ai passé le cap des 6 heures. Et puis il y a des morts. 6h10, ouais. Bon, moi je suis témoin, Philippe tient pendant 1h30. Ah ouais, mais vous voyez pas ce qui arrive par le tunnel. On a les spaghettis du sexe ici. Hein. Enfin, je vous demande pas ce que vous faites avec les écoutilles. Hein. Mais rien, mon chien, il n'y a plus d'écoutilles sur les navires. C'est fini? Non, il n'y a plus d'écoutilles. Rien? Mais quand vous voulez, je vous emmène. Moi, ce sera le plus beau jour de ma vie. Ah non, vous cassez votre mât, vous trouvez votre coque. Moi, j'ai pas confiance. Non, j'ai pas trouvé ma coque. Mon mât, il vous tombe dessus, de toute façon, il vous verra pas tellement. Ah, il fait 30 mètres, donc non, après, si vous faites remorquer jusqu'au port, et en plus, 6 mois en cale sèche, moi j'ai plus, autre chose à faire. En plus, je suis sûr que mon bateau il sera content de vous voir, parce que je lui ai parlé de vous quand même.
Iska. Vous adoriez ce sport. Ah, c'est un sport. Moi, je croyais que c'était pour vivre que vous faisiez ça. Ah, c'est pour faire du sport. Ah ben, alors, je retire ce que j'ai dit, alors. Oui. Mais qu'est-ce que vient faire le chocolat là-dedans? Le chocolat, c'est mon sponsor. C'est des gens qui investissent dans des valeurs sûres. Stranger in the night. Le chocolat... Pour manger. C'est pour manger. Oui. Et vous mangez que du chocolat tout le temps? Non, non, non. Parfois, on a un maquereau qui saute à bord. Donc, on fait chocolat maquereau, t'entends, on a une morue au chocolat, t'entends... Mais le PDG, vous l'emmenez en croisière ou... Non, il paye très cher pour rester sur le... Bah, il paye pas plus cher, c'est comme si vous me demandiez si le mec qui annonce dans France Soir, il lisait votre journal. Il lise la page où ils sont, quand même. Ouais. Je vous aime sexuellement. Mais non, vous êtes... mais non. Vous savez que qu'est-ce l'été vous a fait un bien fou. Hein. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Vous n'avez plus les yeux qui ont l'air de kangourou, parce qu'avant il y avait des poches énormes, on se demandait ce que vous cachiez dedans. Vous êtes superbe. Et, là, non, et, je suis pas, et en plus, et, je suis pas et homosexuel. Et vous, je vous trouve assez propre finalement. Non, enfin, c'est une erreur. Vous avez l'air d'avoir vous passé la nuit sur une gouttière, mais à part ça, vous êtes on pas mal. Vous voyez moins bien qu'année dernière, c'est pour ça que vous me voyez propre, mon chéri. Non, vous, c'est l'odorat qui baisse. Moi, je vous vois vraiment bien, je vous trouve beau, mais beau, mais beau, mais beau. Et dedans, vous me donnerez l'adresse de votre coiffeur. Ouais, bah, mon coiffeur est parti sans laisser d'adresse, parce qu'après avoir fait ça, on peut plus travailler dans ce métier. Ah. Comment vous faites pour vous couper les cheveux? Bah, je coupe moi-même. Bah, je peux te les couper si tu veux, je fais ça ouais, très ouais, bien. C'est j'en ai rien à foutre, mais bah, vous, évidemment, vous les coupez pas, le nylon, ça pousse pas. C'est pas du nylon. C'est une moumoute acrylique, hein, je vous rappelle. Là, il t'entend pour frimer devant une gonzesse, il se prend une mèche, il coupe, mais à chaque fois, il sait que c'est 500 balles. Je suis désolé ce matin, tu m'excuses, maman, ils ont que me coupe une petite mèche. La grossesse dit, je vais prendre la mèche pour mettre dans le petit cœur et tout sur mon nombril. Et puis il dit, quand même, c'est les vrais cheveux. 15 ans, c'est qu'un menteur. En fait, c'est pas vrai, c'est, il écrit acryl top. Mais vous êtes beau, hein. Votre nouvelle perruque vous va. C'est pas mal, hein. Parce que avant, vous étiez un petit peu coiffé comme Himmler. Là, c'est une ancienne perruque de Guettari que j'ai reprise dans de bonnes conditions. Et que vous avez fait friser aussi. Un peu frisé. Vous frisez, c'est dû à quoi ça? C'est parce que vous avez passé votre vacances avec des moutons ou quoi? Mais ça vous va bien, vous êtes bien. Hein. Moi, je vous ai rarement vu. Si, je vous ai vu beau. Mais ce côté. Cette espèce de séduction qui fait rêver ta sœur, ouais. C'est que vous avez aujourd'hui, moi, vu d'ici, vu ouais, de ma place. Et ta sœur. Ma sœur, elle va bien. Pas le beurre. Mais enfin, on continue. Ce que je veux dire, c'est que t'es vraiment beau. Je te tutoie, hein, parce que c'est l'amour. Et vos parents, ça va? Ils ont appris le français? Tout va oui. bien? Mes parents commencent à apprendre le français. D'une famille méritante, hein, ouais, parce que le château est ouvert aux touristes. Ah, non, plus du tout. Il y avait des... C'est dangereux? Ouais, pendant la chasse, il y avait des autocars qui venaient. Hein. On a fait une période de chasse aux cons, mais maintenant on l'a arrêté. C'est très calme, hein, c'est très calme. On habite dans une zone où il a plu tout l'été. Mais pourquoi ça n'empêche pas la croissance du con, ça? Non, ça ne rend pas le con plus cher. Si, parce que non, mais ça le fait mouiller. Ça fait mouiller. D'abord, le con est mouillé, et en plus, il arrive avec de la boue sur les pieds. Alors, va nettoyer ça avant de le saler, c'est un problème quand même. Non, mais on parle toujours de son patelin, mais on ne connaît pas son patelin, on ne sait pas où c'est. C'est à la limite des Côtes du Nord et des Finistères. Ah ben, écoutez, il y a deux jours à pied avec des porteurs quand on débarque du train. C'est vrai que quand on débarque, la ligne de chemin de fer a été désaffectée. C'est-à-dire que maintenant, on peut même pas débarquer du train pour aller chez moi. Et je sais qu'il y a 2 ans, il y a un hélicoptère de gendarmerie qui a survolé qu'on n'a jamais revu. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En 1988, autour de Philippe Bouvard, Joséphine Chaplin, Olivier de Kersauzon, André Gaillard et Daniel Sicaldi. Ça vous va bien, Abbé, hein? Ça attention, va bien. On fait une tache sur votre cravate qui est déjà tachée, d'ailleurs. C'est la cravate d'enfer. Qui c'est qui vous a offert ça? C'est pas mal, ça, hein? Bon, faut la virer, hein? Elle vous déteste, hein? Dedans, et vous pourriez changer de tricot de corps? C'est le même qu'au mois de juillet, là. Non, décembre. C'est à Noël que je change. Il a résolu le problème des porte-manteaux. Il en a pas besoin chez lui, ça tient tout seul. Mais il n'y a pas que les porte-manteaux, il y a les savons, il y a tout. Vous ne pouvez pas savoir l'énorme économie que je fais chaque année en ne me lavant jamais, en ne me changeant jamais. Quoi, les pieds, tous les 15 août, même s'ils ne sont pas sales. Ah oui, t'as raison. Ah, quand on a les habitudes, il faut. En Bretagne, c'est le pèlerinage à la Vierge, donc on se lave les pieds même tous les 15 août. Ça me rappelle un brave paysan que j'avais connu dans ma jeunesse et qui, pour stigmatiser... Je sais qui c'est le brave paysan, c'est Eric Azaray. Que vous l'avez connu dans votre jeunesse, qui est possible vu son âge, et c'est un brave paysan, c'est et vrai. Et pour stigmatiser la saleté
d'un de ses copains, il disait, rendez-vous compte, il a entre les doigts des mains comme on a entre les doigts des pieds. J'ai pas ricasaraï. Pourquoi? Parce qu'elle est propre, ricasaraï. Elle passe sa vie dans une bassine, déjà. Bon. D'ailleurs, ah bah ça, c'est pas ça. Non, la bassine, elle l'a sur elle. Comme quoi, l'eau froide, ça lave aussi bien que l'eau chaude. J'ai bouquiné durant les vacances, c'est tout. J'ai eu 2 jours de vacances, j'ai bouquiné 2 jours. Vos livres, super. Mais c'est un homme différent maintenant. M'avait manqué, hein. À quel moment? Tout le temps. La nuit, parce que j'aurais aimé vous montrer les étoiles de la mer. Le petit matin, lorsque le soleil se lève sur les vacances, qu'il fait bon de sentir la plage qui lentement s'étire au soleil. Enfin, si vous naviguez sur les plages, hein, ça... Non, mais pas loin, là. Plateau, je suis passé près de Saint-Tropez, j'ai guetté. Alors, il y avait 3-4 bigorneaux qui étaient là, avec des cache-nez, des petits chapeaux. Je dis, c'est pas lui, vu la saison, il n'aura pas un cache-nez, un petit chapeau. J'ai guetté dans les collines aussi, pour voir si je vous voyais près de votre piscine. J'ai bien maté, hein. De monsieur... Que pour faire Cherbronnet. Quelle est la fleur que Louis XVI portait à la boutonnière et pourquoi? Une rose? Non. Un bluet? Non. C'est pas un bluet? Un pot de coquelicot? Un pot de senteur? Une tulipe? Une pensée? C'était pour des raisons médicales, non? Non. Je suis sûr que toute la salle connaît la réponse. Non, pas du tout. Aussi, hein, vous connaissez? Des dizaines et des dizaines. Bah dites-le alors. Non, ils diront rien parce que ça les amuse beaucoup. Un œillet? C'est une fleur banale en France. La fleur de pomme de terre. La fleur de pomme de terre. Ouais. Bonne réponse d'André Gaillard. Et pourquoi la fleur la portait-il, etc., etc. Voilà. Eh oui, parce que s'il fallait aider Parmentier à faire connaître ses légumes aux Français. Bah alors. Il n'a pas porté. Moi, je le savais. J'ai fermé ma gueule. Il a fait un peu de pub comme ça, mais il n'a pas porté ça tout le temps. Non, je me suis tu parce que je trouvais ça trop beau. Comment est-ce qu'il a été épluché un peu fort lui-même? C'est quand même dommage. Pour Louis XVI. C'est vrai, quelle histoire horrible. Hein. Quelle histoire horrible. Chaque fois que je passe rue de Varennes, ça me fait un coup. Ce pauvre roi de France qui a été décapité. Par des gens qui n'avaient même pas de culotte. C'était les grands-parents de Madonna. C'est quand même incroyable de voir que les enculottes, il y avait toujours les tricoteuses qui leur couraient après pour leur faire des slips. Ça, c'est un joli titre pour un journal. Louis XVI décapité par les grands-parents de Madonna. Vous m'embauchez, je vous dis 3-4 briques par mois, je viens jamais, je vous emmerde pas, je voudrais pas de directeur à votre place et tout, je serais peinard. Faites une bonne affaire pour votre journal. Ah, ça, c'est vrai. Il vous envoie des titres. Je vous envoie les titres, vous faites tous les manchettes. Il a déjà un des plus beaux titres qui soit, Vicomte. Hein. Ça fait pas lourd dans un journal. Ça ne fait rien de parler de Louis XVI comme ça? Non, la mort fait partie de notre destin quotidien. Elle est notre compagne la plus fidèle. Elle nous accompagne pas à pas et attend son heure. Bravo. Donc, il faut la regarder avec sérénité. Voilà. Et de préférence dans le rétroviseur. Ouais. Pour l'instant, c'est la mort des autres que vous regardez avec sérénité. Non, je regarde la mienne aussi. La vôtre me fait une peine quand j'y pense. Ça m'arrive parfois de m'endormir tout seul après avoir éteint mon camping-gaz et chassé quelques moustiques à la carabine. Et là, brutalement, l'emprise de la nuit tombe sur moi à travers la frêle toile de tente qui protège mon visage de l'éclat des étoiles. Et là, mon esprit se met à rêver. Et j'imagine le cercueil de la taille d'une boîte à chaussures. Porté sous le bras par un croque-mort négligent. Jeté dans une fosse qui a à peine la taille d'un endroit où on enterre une merde de chien. Et je me dis, c'est mon Fifi Boubou qui vont jeter là? Ah non, ça perd les poils pète. Mais je me le dis en pleurant. Hein. À ce moment-là, j'utilise 30 à 40 Kleenex. Et dame, il sait que quand je serai mort, il perdra une partie de son revenu. Hein. Ah oui. C'est vrai. Non, mais le jour où on enterrera votre pouvoir d'achat en même temps que moi. Le jour où vous allez mourir, mettons la semaine prochaine, par exemple, eh bien, quand j'y pense, pour moi, c'est un énorme chagrin. Parce que d'abord, vous êtes quelqu'un que j'aime énormément. Je vous aime. Je peux pas vous dire pourquoi. Bon, c'est pas sexuel, hein. Bon, bien sûr, vous avez essayé, comme avec tous les artistes. Mais moi, avec moi, ça a pas marché. Bon. Mais c'est affectif. Je vous aime parce que si vraiment j'avais raté ma vie, vous êtes l'homme que j'aurais voulu être, en fait. Mais comme je l'ai pas encore complètement raté, je vais attendre quelques années. C'est bien parti. Ouais. Mais je vous remercie, Philippe. Ben, je sais bien que le jour où l'échec sera total, je pourrai enfin vous ressembler. Mais il y a un truc que j'aurai jamais, c'est vos cravates. Non, je vous adore, vous êtes tellement étonnant, vous êtes vraiment un découvreur de talents et essentiel.
Un homme de générosité. Moi, je vous ai suivi, mais depuis des années, parce que moi, j'ai quand même tété mes biberons sous les balles de la Libération. Et à peine j'ouvrais un œil, c'était pour voir samedi soir. On n'est pas compte. Pour moi, qui ai toujours eu un œil ouvert vers la France profonde qu'on regarde de la Bretagne lointaine assis sur le granit humide, eh bien... votre existence, vous approchez, vous touchez, vous mettez une petite main au cul dans le couloir, mais pour moi, c'est une promotion sociale étonnante. Et je vous trouve formidable. Non, mais c'est vrai, je vous admire. Là, souvent, les mecs disent Bouvard. Admirez ma patience, Amir. Bouvard. Et oyez la question de. Oyez, ça y est, il a débrayé les au Moyen-Âge. De Monsieur Défossé de Gagny. Quel est l'accessoire pour automobile vendu partout que de nombreux automobilistes possèdent dans leur voiture et qui est parfaitement illégal? Ah, un bidon d'essence. Le bidon d'essence. Bonne réponse d'André Gaillard. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.